Nouvelle vibe, une nouvelle balade. On va se promener dans la musique, apporter quelque chose de nouveau, innover, s'amuser, faire de l'art quoi. Écrivain de l'oralité. J'écris en espérant transmettre une bonne moralité, même si en réalité, cette tâche est presque perdue d'avance dans cette modernité. Alors j'écris. J'écris sur moi, ma perception des événements. Prends la mesure du changement, observe ce que j'ai à gagner, perdre ou conserver. Pendant ce temps, les prétendus grands de ce monde passent le temps à se concerter. Alors moi, j'écris parce que moi aussi, je me sens concerné. Lire et écrire et décrire, écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme, j'écris pour cette liberté de forme. Lire et écrire et décrire, écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme, j'écris pour cette liberté de forme. Qui émet les émotions, idées, messages en somme. Oui, je manipule César sans prendre de grands airs. Alors pourquoi ne pas prendre à César ce qui appartient à César et le marquer dans mes vers. Nous sommes cette nouvelle vague de poètes, produit du développement des mentalités humaines pour être honnête. Ces formes qu'on transmet, création même de notre créativité en perpétuelle activité entre vision et sensibilité dans cette lutte opposant tradition et modernité. Pourtant de prémices culturelles différentes, mais chez moi on dit, et chez toi on dit, et chez nous on dit. Lire et écrire et décrire, écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme, j'écris pour cette liberté de forme. Lire et écrire et décrire, écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme, j'écris pour cette liberté de forme. Laisse-moi te dire ces quelques mots. C'est dans le cœur que l'on puise le courage qu'il nous faut. Mais bien souvent dans la diversité, car dans les pays pas cités, je suis dans l'incapacité de citer des cas déjà pas cités. Mais il y a ce repère extérieur qui nous permet d'améliorer nos textes en fonction du contexte, d'émancipation, quête d'identité, retour vers soi au thème d'actualité quel qu'il soit. Dans le respect, l'amour et le partage, quand tu réalises que l'ego individuel n'est qu'une partie d'un tout et que tout dépend de tout ce qu'il y a autour, mais aussi dans les contours. Pour ma part, j'ai écrit, j'écris et j'écrirai toujours. Peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai le prix Goncourt ou les victoires de la musique. Mais cette fois, c'est déjà plus mon tour. Alors l'écrivain de l'oralité, dans sa perpétuelle quête d'identité et son respect pour ses femmes aux dents quittées, ayant un pan de tradition et modernité, vous passe salam par le biais de ce. Lire et écrire et décrire, écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme, j'écris pour cette liberté de forme. Lire et écrire et décrire, écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme, j'écris pour cette liberté de forme. On prend le crayon, on écrit. Nouvelle histoire. On prend le stylo, on écrit. De nouveaux espoirs. On prend le crayon, on écrit. Une nouvelle histoire. Viens avec moi, on chante, on chante. Alors chante. Lire, écrire et décrire. Écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme. J'écris pour cette liberté de forme. Lire, écrire et décrire. Écouter, transcrire et construire. J'écris pour cette liberté de forme.